Ok, bonjour à tous. Vous êtes drôles les politiques en vrai, parce que vous avez créé un jeu qui porte votre nom d'ailleurs, ça s'appelle La Politique. C'est vous qui écrivez les règles de ce jeu, hashtag les lois. Et bien sûr, quand une règle vous fait chier, vous la supprimez, hashtag ISF. Alors évidemment, vous vous mettez bien, vous créez des règles pour pas que les autres puissent gagner le jeu, interdiction de faire des manifs sans les déclarer, il faut des revendications, des leaders. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant que plus personne ne respecte vos règles, vous êtes là. Maîtresse, c'est pas du jeu, les pauvres ils trichent, ils respectent pas les règles. Moi je m'en fous, je joue plus. Évidemment qu'ils respectent pas les règles, vous les respectez pas depuis des années. Alors comme vous aimez bien les jeux, venez, on a qu'à changer de jeu. Là d'ailleurs en ce moment on joue à un jeu, hein. Ça s'appelle Le Peuple a dit. C'est comme Jacques a dit mais avec le peuple. Exemple, le peuple a dit baisser les taxes. Bah tu baisses les taxes, t'as pas le choix, c'est le jeu. Hein. Le peuple a dit arrêtez de nous laisser crever. Bah tu viens et tu les aides un peu, c'est le jeu. Et là on voit bien que vous aimez pas ce jeu. On voit que vous êtes là. Mais c'est nul ce jeu. En fait on doit faire ce que les gens nous disent. C'est eux ils décident à notre place. Tu vois ce jeu là, bah nous ça s'appelle notre vie. Des mecs qui décident de faire des lois et nous on n'a pas notre mot à dire. C'est normal que ça s'énerve au bout d'un moment. Bon évidemment le pire ça reste Macron. Hein. D'ailleurs il est où celui-là? Lui à cache-cache. Nique tout le monde. Hein. Même sa mère, elle doit commencer à s'inquiéter. Hein. Manu, donne des nouvelles parce que là. Mais Manu, sérieux. C'est pas le moment de faire des soirées pyjama devant Game of Thrones avec Brigitte. Ouvre ta fenêtre, tu l'as en direct, Game of Thrones. Tu les vois pas tous devant chez toi là? Les marcheurs jaunes, ils arrivent, mon pote. Et avec eux, oublie Winter is coming. Hein. Eux, c'est Finger is coming. S'ils t'attrapent, ça va te gratter. Alors réagis, fais quelque chose. Tout le monde te demande de venir à la télé juste pour parler. Au point où t'en es, fais une story, fais un snap, fais quelque chose. Au moins pour que samedi ça dérape pas. Parce que franchement, ça fait flipper. On se pose tous la même question. Comment est-ce que ça va finir samedi? Est-ce que l'armée sera sur les champs à tirer sur la foule? Est-ce que la foule sera sur les champs à tirer sur les CRS. La seule chose dont on est sûr, c'est que les CRS seront sur les champs à tirer la langue. Ah bah eux, ils ramassent. Hein. D'ailleurs, il y a un ministre là qui est venu pour prendre leur défense. Mon dieu. Bon, ils ont certainement pas envoyé le plus malin, mais quand même. Le gars, il a dit pour commencer, les gilets jaunes doivent arrêter les casseurs. Mais il y avait 4000 CRS à Paris samedi dernier pour les arrêter, ils ont pas réussi. Tu crois vraiment que 3 retraités et 10 étudiants venus de Bourgogne vont y arriver? J'ai rien contre la Bourgogne, mais ça me paraît peu probable. En même temps, les gars, vous avez consciemment laissé les choses dégénérer pour arriver en sauveur après derrière et dire ah, regardez, à nous, on a arrêté les violences. Hein. C'est grâce à nous, ça. Mais Manu, s'il te plaît. On se doute que ça doit être un cauchemar en ce moment pour toi. Tu dois gérer la crise, ton ego, ta prétention. Mais c'est pas parce que tu fermes les yeux, que tu te bouches les oreilles et que tu te caches sous ta couette que le monstre il va partir. Hein. Moi je crois que samedi le monstre il arrive frérot. J'essaie de t'aider en fait. En plus en ce moment t'es tout mignon, tout chou. J'ai vu en face ils te disent fais ce qu'on te dit ou on te dégomme. Et toi t'es là. Tu veux négocier. Oh c'est mignon. Mais tu veux négocier avec qui? Y a pas de chef. Alors toi forcément tu comprends pas parce que toi toute ta vie t'as voulu être le chef. Donc tu dis mais comment ça? Ils veulent pas être le chef. Mais je comprends pas. Moi toute ma vie j'ai voulu être le chef. Et hier matin t'as fait encore pire. T'as envoyé un mec à BFM dire que tu demandais à tous les syndicats et tous les politiques de t'aider à calmer le jeu. Oh là 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 là. Mais Manu! Mais les syndicats, ça fait des mois que tu t'en bats les couilles de ce qu'ils te disent! T'écoutes personne, tu les méprises! Et là, d'un coup, t'es là! Bon, les gars, comme je commence à être dans la merde, faut m'aider là! Et ils vont me tuer, hein! Ils vont vraiment me tuer! Et puis les politiques, mais t'es sérieux? Eh, dans leur tête, t'es déjà mort, hein! Tu comprends pas qu'eux, ils sont déjà en campagne pour récupérer ton fauteuil? Si toi, t'es en train de brûler, eux, ils sont en train de souffler sur les braises, hein! Ça y est, les gars, c'est bon, ça brûle! Ils sont juste en train d'essayer de ramasser tes restes, mon pote. Tu les vois à la télé en mode. Ah, mais on l'avait dit, nous! Il est méchant! Il faut qu'il démissionne! Nous, on est gentils! Il faut nous mettre à sa place! Mais les gars, même si Manu fait sa valise et que les gilets jaunes le dégagent en vacances pour des années, vous croyez vraiment qu'ils vont venir vous voir et vous dire ah! Bah, du coup, Jean-Luc, on te laisse les clés. Donc, on t'a laissé le ministère de l'économie impeccable. Et puis, Marine, toi, bah, t'as mis à l'immigration, hein! Bah, c'est un peu ta passion. Bref, moi, je suis pas là pour rentrer dans un débat de fond. Est-ce que les demandes des gilets jaunes sont légitimes? Est-ce que la violence est une solution ou pas? Est-ce qu'ils ont raison de bloquer les gens ou pas? Moi, je suis juste là pour dire. Manu, monsieur Macron, si tu veux pas être le premier président responsable d'un drame dans les jours à venir, attrape ta prétention, comme ça. Fais-en une petite boule, assieds-toi dessus, viens t'excuser auprès des Français pour avoir laissé cette situation dégénérer et cherche de vraies solutions pour améliorer leur quotidien. Tu seras certainement pas réélu, je pense que là c'est vraiment fini. Mais au moins t'auras une petite chance de pas représenter l'orgueil, le mépris, la haine et le dédain aux yeux du pays tout entier jusqu'à la fin de ta vie. Allez, courage Manu.